Les camps d'entraînement s'ouvraient aujourd'hui dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Chez l'Armada, c'est plus d'une cinquantaine de joueurs qui compétitionneront pour obtenir l'une des 22 places dans la formation de Jean-François Houle. Joël, premier camp avec l'Armada, premier camp junior majeur, comment tu te sens là? Le pire est passé, là, c'était la grosse. Ben, un matin, c'était la grosse affaire, je trouve que c'était tough. Mais au moins, c'est passé, c'est fait. Je veux faire partie de l'Armada le plus possible, puis je vais tout faire pour faire l'équipe. Je me sens rouillé un peu, pas eu de la chance de patiner beaucoup durant l'été, fait que on va se dérouiller tranquillement, pas vite, pour atteindre le top niveau quand il va falloir. J'ai appris de ne pas m'en faire et de ne pas perdre mon temps à checker qui joue bien, qui joue mal, puis de faire juste ma propre affaire. Puis c'est le même que tu vous montres aux autres ce que tu es capable. Pas « Ah, il faut que lui joue mal, puis lui joue bien, puis là, je vais faire le club. » Il faut que tu penses juste à ton affaire à toi puis que tu focuses à la tâche. Samuel, premier camp ici avec l'Armada. Comment tu te sens là? Tu viens juste de débarquer de la patinoire là? C'est sûr qu'au début, on est tout le temps un petit peu nerveux. Mais là, plus le camp avançait, plus on va commencer à se dégourdir et être plus à l'aise. Puis nous, ça va bien aller. C'est différent de chez nous parce que moi, je viens de Bécancour, là, c'est plus en campagne. Puis là, de venir ici en grande ville, mais il faudrait bien m'adapter. Puis c'est une belle place. Il va jouer dans la même ligue que moi. Puis moi, ma place n'est pas assurée, mais il faut que je travaille aussi. Parce qu'il faut que je me prépare pour mon camp dans la Ligue nationale. Puis eux autres, leur camp junior qui est important. C'est juste de travailler fort. Si t'es à l'Armada, il faut que tu travailles fort. Mais on va avoir encore une bonne équipe, je pense. Puis il y a beaucoup de gars qui ont maturé. Puis qu'on va être comme à 19 ans. Il y aura beaucoup de gars de 19 ans. Puis il y aura des bons 20 ans. Fait qu'on va avoir une bonne équipe d'expérience. Puis on a appris les deux dernières années. Que la série contre Rimouski. Puis contre Bécancour l'année passée. Puis il faut se servir de ça. Là. On ne les a pas fait jouer un match encore. Fait qu'on va attendre un peu avant les objectifs. Là, mais je pense qu'on est confiants. Les joueurs qui retournent. Je pense qu'on a un bon noyau de joueurs offensivement. Défensivement, oui, on perd trois gros joueurs, mais on a une bonne relève qui était dans le milieu de 3A. Puis un peu moins dans les dernières années qui vont prendre la relève. Alors, on est confiants d'avoir le bon. Ici Vincent Tremblay pour Sport du Nord à Boisbriand.